Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon sur l'addition. Nous allons voir à travers quelques exemples comment résoudre les additions simples. Par exemple, commençons par essayer de trouver le résultat de 11 plus 4. Alors, pour résoudre les additions, il faut commencer, on l'a déjà vu, il faut commencer par la colonne de droite, la colonne des unités. C'est par cette colonne-là qu'il faut commencer. Dans cette colonne, je vais additionner tous les nombres. Donc 1 plus 4 égale, donc je peux le faire à côté au brouillon si on veut, 1 plus 4 égale 5, eh bien je le reporte, ce 5, dans la colonne des unités. 1 unité plus 4 unités égale 5 unités. Maintenant, je vais dans la colonne d'à côté, la colonne des dizaines. On a déjà eu l'occasion de voir que cette colonne était appelée celle des dizaines. Eh bien pareil, je vais additionner tous les nombres qui s'y trouvent. Bon, ben là, il n'y a que le 1. Donc 1 plus rien du tout, eh bien c'est 1. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on peut voir l'addition de manière aussi, de manière différente. Par exemple, 11 plus 4, je peux très bien dire que j'avais 11 pommes au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai rajouté 4 pommes. 1, 2, 3, 4. Combien est-ce qu'il y en a en tout? Eh bien je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 pommes en tout. Eh bien, c'est exactement le résultat de l'addition. 11 plus 4. Encore un autre moyen de faire, c'est de tracer l'axe des nombres. Quand j'ai tracé cet axe des nombres, je place les nombres dessus. Je peux commencer directement par le nombre qui m'intéresse, 11. Et ensuite, j'indique sur l'axe les nombres supérieurs. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, à gauche du 11, si je continuais ici à écrire les autres, quelque part, il y aurait 0. Là, il y aurait 10, 9, 8, 7, etc. Et du côté droit, eh bien, je pourrais aller jusqu'à des 18, 19, 20, 21, etc. Mettre tous les nombres que je veux. Mais là, je me contente de commencer par le nombre 11, puisque c'est lui qui m'intéresse. Donc ensuite, je pars de ce nombre 11 là, et puis je vais faire combien de sauts? Ben, je vais en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Et j'atterris où? Eh bien, j'atterris sur le 15. Exactement le résultat. Vous voyez, c'est le résultat. Le même que ce qu'on a trouvé là. Donc voilà, tout ça pour vous rappeler plusieurs manières pour trouver évidemment le même résultat 15. Évidemment aussi, je vous déconseille de dessiner les pommes à chaque fois que vous devez faire une addition, sinon ça va devenir très vite compliqué quand vous allez vouloir additionner des grands nombres. Alors continuons avec un autre exemple, 28 plus 7. Alors, 28 plus 7. Comme tout à l'heure, on va commencer par chercher la valeur de la somme dans cette colonne, la colonne des unités. Donc ce qu'on veut faire, c'est 8 plus 7. Alors 8 plus 7, c'est jamais une addition facile à connaître. Donc à force de l'utiliser, vous connaîtrez le résultat par cœur. Mais si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez faire au brouillon un petit axe, commencer par le 8, hop. Et mettre les autres nombres. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous placez le 8 et vous allez faire 7 sauts puisque c'est le chiffre 7 que vous voulez additionner. Donc, vous partez de 8 et vous allez faire 7 sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Et vous arrivez sur le 15. Donc 8 plus 7 égale 15. Donc ça, là, 8 plus 7 égale 15, c'est un résultat que je vous conseille d'essayer de retenir par cœur. Cela vous sera utile très souvent. Alors, puisque 8 plus 7 égale 15, j'ai bien envie de l'écrire. 15. Ah oui, mais attention, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que j'ai le droit que d'écrire qu'un seul chiffre. Lequel? Eh bien, celui qui correspond à la colonne. Celui qui correspond aux unités.
Eh bien, dans 15, ce qui correspond aux unités, c'est le 5. Et le 1 de 15, ce 1-là, lui, va aller en retenue, ici, dans la colonne des dizaines. Et c'est logique, puisque ce 1 représente une dizaine. Ensuite, maintenant que j'ai fait cette addition dans la colonne des unités, je passe à la colonne des dizaines. Eh bien, je vais additionner 1 plus 2, 3, plus rien du tout, 3. Du coup, 28 plus 7 est égal à 35. Alors j'aurais très bien pu aussi retrouver ce résultat, et je vous encourage à le faire vous-même, là, sur un papier brouillon. Vous pouvez aussi faire un axe, placer 28, et faire 7 sauts. Vous verrez que vous atterrissez sur le résultat, le même que moi, 35. Alors, je peux aussi vous faire remarquer cette petite, ces petites choses-là. Regardez, 8 plus 7 font combien? 8 plus 7, on l'a vu, cela fait 15. Maintenant, 18 plus 7. Eh bien, 18 plus 7, c'est un peu comme 8 plus 7, mais il y a 10 en plus. Donc du coup, ça va non pas faire 15, mais 25. 28 plus 7. Eh bien, c'est un peu la même chose que la ligne d'avant. C'est 18 plus 7, mais j'ai encore rajouté 10 pour faire 28. Du coup, c'est pas 25, mais c'est 35 le résultat. Au passage, 28 plus 7, c'est exactement l'addition que l'on a fait ici. Et on a bien trouvé 35. Si je faisais 38 plus 7, à votre avis, on trouverait quoi? Eh bien, 45. Voilà, juste pour vous montrer ce petit truc. Vous voyez que la colonne des dizaines augmente régulièrement de 1 à 1, effectivement, puisque là aussi, 18. On est passé de 8 à 18, de 18 à 28, de 28 à 38. On a augmenté d'une dizaine à chaque fois du côté de l'addition. Donc c'est normal que du côté du résultat, on augmente d'une dizaine aussi. Bon, ceci était une petite remarque dans cette leçon. Je vais maintenant vous présenter une dernière addition qui paraît un peu plus compliquée. 99 plus 9. Ah, alors, comment faire? Eh bien, on fait exactement comme d'habitude. On va commencer par calculer l'addition dans la colonne des unités, qui est celle-ci, la colonne des unités. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire 9 plus 9. 9 plus 9, cela fait 18. Si vous ne le savez pas par cœur, vous pouvez faire un axe, placer 9 et faire 9 sauts. Vous verrez bien que 9 plus 9 fait 18. Alors, le 8 va aller dans la colonne des unités au niveau du résultat. Et le 1, lui, va aller dans la colonne d'à côté en retenue. On a terminé l'addition dans la colonne des unités. Passons à la colonne des dizaines. Eh bien, 9 plus 1, 10. 10 plus rien du tout, 10. Voilà, donc 99 plus 9 donne 108. Merci, à bientôt!